promiscuité, espace public. Quel est le problème que je voudrais aborder en ce dimanche 25 décembre 2017 de Noël? Et ma réponse, c'est le silence. Voilà, le silence. Le silence dans les lieux publics. Quand nous sommes dans un lieu public, on a déjà lutté contre le tabagisme, avec efficacité, il faut reconnaître. Eh bien, l'autre, qui est une forme d'intrusion de la fumée dans notre vie, qui était insupportable, on se demande même avec le recul comment on a pu le supporter, dans les espaces publics, justement. Mais je crois que la phase suivante, c'est le silence. Moins les gens parlent, moins ça pose de problèmes au niveau de la vie en société. Quand il ne s'agit pas, évidemment, de vivre entre amis, de discuter entre soi, bien entendu. Mais dans un espace public où les gens ne se connaissent pas, le silence est de rigueur, le silence est à conseiller vivement. D'une part, cela permet d'éviter les propos, d'entendre des propos qui peuvent nous énerver ou nous mettre mal à l'aise. D'autre part, ça évite d'entendre des langues différentes. Des langues, on dit pourquoi cette personne parle cette langue-là, etc. Ou des accents différents. Enfin bref, moins les gens parlent, mieux ça vaut. En espace public. Et dans l'espace privé, au contraire, il faut parler. Il faut communiquer. L'espace public est plutôt fait pour la lecture, pour l'écrit. Et l'espace privé est fait plutôt pour la parole, l'oralité. Voilà comment je vois les choses. Et je voudrais que l'on aille dans cette direction le plus possible, et qu'en tout cas, même quand on ne le fait pas, on ait conscience qu'on doit le faire. Alors évidemment, il y a les téléphones cellulaires qui nous amènent dans l'espace public à parler, et ça c'est un élément grave, même si on recommande aux gens de fermer leur téléphone à différents moments, même si on leur recommande de ne pas l'utiliser, il n'empêche que les gens s'appellent, et ils appellent quelqu'un sans savoir où il est, où il se trouve, et la personne va répondre, va décrocher, sauf si elle se met, et en plus, moi c'était mail. Alors évidemment, il y a les SMS. Alors, communiquons par écrit, communiquons par SMS, communiquons par mail, puisque maintenant, on peut avoir son mail sur son téléphone portable, mais l'oralité doit être extrêmement réduite, dans l'espace public, extrêmement réduit.